Allez, salut à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester donc le nouveau shampoing Hard. Donc celui-là hein, qu'on entend parler sur les réseaux sociaux. Donc c'est parti, on va le tester. Donc c'est de la gamme Pro Elite, le Nano Factor. Donc ici, j'ai un véhicule hein, qui est vraiment pas entretenu depuis plusieurs mois. Donc le véhicule parfait pour mettre ce produit à l'épreuve. Allez, c'est parti, intro. Donc là, comme on va le voir, on va déjà faire un test sur ces jantes. Donc les jantes, honnêtement, ça va faire 3 mois, 4 mois qu'elles n'ont pas vu un coup de Karcher. Donc là, ici, on voit que même c'est carrément brûlé ici, là, à ces endroits-là. D'accord ? Et honnêtement, ouais, elles sont vraiment affreuses. Hein. Un bon coup vraiment de nettoyage va leur faire du bien. Donc là, on va vraiment voir si ce shampoing, hein, qui est, on va dire, polyvalent, avec une dilution que je vais t'expliquer juste derrière, va pouvoir venir, on va dire, à bout de cette... état de jante qui est vraiment voilà qui est crade quoi. Donc c'est parti, je mets la caméra sur le trépied et on fait ça ensemble. Donc c'est parti, donc là je viens de diluer le Nano Factor dilution 1-2. Donc ça c'est quelque chose qu'on m'a dit hein, donc de Jonathan, enfin c'est Jonathan hein, de chez Hygiameca qui m'a conseillé d'essayer comme ça. Et c'est vrai que bah, tu vas le voir par toi-même. Donc là tout simplement 1-2, donc je vais venir laisser enfin je vais venir asperger hein, sur la jante. On va laisser agir une minute. Honnêtement, une minute ça suffit, ça sert à rien de laisser trop agir. Et après, on va venir passer un coup de Karcher direct. Et tu verras par toi-même, on fera un plan de plus proche, tu vas halluciner. Allez, c'est parti! Base d'un shampoing utilisé donc en produit jante avec la dilution 1-2 conseillé par Jonathan de chez Hygiameca. Et ben c'est juste une dinguerie. Voilà, donc ben maintenant ce que je te propose ben, c'est qu'on attaque ben, le sujet principal également, c'est le shampoing Hard donc sur la carrosserie. Allez, c'est parti. Bon les amis, après les jantes on va passer à la carrosserie comme je te l'ai dit. Donc on va utiliser principalement le Nano Factor. Tu le sais, si tu me suis sur YouTube, j'avais également le Max 2000. Alors le Max 2000, attention, franchement attention, c'est un produit très très puissant avec un pH très élevé. Donc là, honnêtement, pour ceux qui l'ont déjà acheté, faites attention, respectez bien les dilutions et à utiliser vraiment sur un véhicule ultra crade. Voilà,
c'est vraiment un conseil que je peux vous donner parce qu'il peut faire des dégâts. Hein, c'est pas pour rien qu'il est utilisé pour les poids lourds, les tracteurs, enfin tous les engins de chantier, etc. Donc voilà, faites attention à ça. Honnêtement, tu vas le voir par toi-même. Hein, j'ai déjà fait des essais hier sur un véhicule en prestation. Le Nanofactor, il suffit largement. Donc là, on va déjà commencer le pré-lavage. Donc je vais partir sur une dilution à 1,5. Également, fais attention. Là, le véhicule, il n'est pas entretenu, il est très très crade. Ça va lui faire du bien, ok. Donc là, je vais partir sur une dilution à 1,5, mais à ne pas faire régulièrement sur le même véhicule. Voilà, c'est un décrassage. Sinon, hein, une dilution à 1,7, 1,10, tu verras, ça suffira largement. Allez, c'est parti, je prépare le canon à mousse et on se retrouve après en image. Il va rester hein, quelques petites traces à droite à gauche parce que forcément, hein, de toute façon, rien ne remplacera un contact, hein, une action mécanique. Mais honnêtement, on a prélavé le véhicule, on a lavé le véhicule à, je sais pas moi, 70-80%. Le reste, ça va être juste un simple coup de gant. Donc pareil, on va utiliser Nanofactor. On va le mettre avec donc de l'eau hein, dans un grand seau d'eau. On va venir passer notre gant et on aura un véhicule, je suis sûr, qui va être, mais le plus décrassé possible. Donc là, à ce jour, ouais, moi qui ai testé hein, comme le Alchemy M7, même qui travaille avec le Power Foam de chez Carhartt, hein, qui sont réputés, surtout le M7, hein, comme des shampoings très hard. Mais là, le M7, honnêtement, tu le mets de côté. Désolé pour Alchemy, mais tu prends ça à la place, quoi. Donc, allez, c'est parti, je prépare le seau, on fait un bon coup de gant hein, sur tout le véhicule, on le rince, on le sèche, et après, on termine par la conclusion. Bon, ça y est, je viens de préparer mon seau, donc là, je suis parti sur 50 ml hein, de produit pour 10 litres d'eau. Alors, déjà, tu vas le voir, hein, ça décoiffe pas mal. Si tu passes à 100 ml, forcément, il sera encore plus agressif. Voilà, mais là, vu qu'on a fait un gros pré-lavage, honnêtement, c'est vraiment limite de la finition, ce que je vais faire hein, avec le gant. On est vraiment sur de la finition. Voilà, parce que tout le gros, il est parti. Allez, c'est parti. Bon les amis, ça y est, je viens de rincer le véhicule, on vient de le sécher. Alors déjà, qu'est-ce que je peux te dire sur ce shampoing avec la technique du seau? Alors on a vraiment une très bonne glisse sur le gant, il est très très bien lubrifié, ça glisse tout seul et ça vient vraiment dégraisser à perfection le véhicule. On a un vernis qui est sain. Alors bien évidemment, hein, si tu passes par une case polissage derrière, je te conseille de faire bien évidemment des contaminations chimiques, des contaminations mécaniques quand même. Mais là, avec ce shampoing-là, tu as une excellente base. Honnêtement, on a touché le véhicule un peu à droite à gauche, on est vraiment sur le vernis pur et dur. Là, il n'y a plus de pellicule, il n'y a plus rien. Donc on peut vraiment travailler sur une surface qui est vraiment nickel, propre et saine.
Voilà, donc après, comme tu as vu, hein, également pareil, hein, dilution 1-2 pour les jantes, c'est vraiment pour moi top. Donc, qu'est-ce que je vais dire sur ce produit que je découvre aujourd'hui? Bah, honnêtement, c'est une dinguerie. C'est pour moi, à ce jour, le meilleur shampoing polyvalent hard. Voilà, il n'y a pas, c'est indéniable, on ne peut pas dire autre chose que ça. Là, pour moi, c'est le number one des produits hard. Voilà, les amis. Bon, bien évidemment, hein, si ça t'intéresse hein, de commander et de tester ces produits, je te mets dans la description hein, donc le lien du shop Hygimeca, donc Jonathan. N'hésite pas à le contacter, hein, il est vraiment de très très bons conseils, très disponible. Il pourra vraiment t'aiguiller par rapport aux dilutions à faire en fonction de ton usage. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager. Surtout, abonne-toi si tu découvres cette chaîne. Et puis nous, on se dit à bientôt. Salut !